1 milliard de voitures circulent dans le monde aujourd'hui, probablement 2 milliards avant 30 ans. De plus en plus de densité dans la circulation, d'exigences sécuritaires et environnementales, fait qu'on ne pourra plus se passer de systèmes d'information et de communication. Par exemple, le projet SCOREF qui développe les infrastructures au bord des routes. Une caméra qui identifie tous les incidents qui peuvent se produire, avec un émetteur-récepteur qui concentre et distribue les informations, et enfin un panneau solaire pour assurer l'autonomie. Comment ça marche vu du conducteur? Je vous emmène. Lorsqu'on parle de voitures du futur, on ne voit pas de changement de l'extérieur. Elles seront toujours plus confortables, plus sécuritaires, plus performantes. Ce qui change tout, c'est l'information collaborative. L'information collaborative, c'est quoi? C'est une somme d'informations issues des autres véhicules et des infrastructures routières. Et toutes ces informations sont concentrées sur un écran pour pouvoir faire réagir le conducteur. En route. Il y a des travaux sur la route, voilà ce qui va se passer. Le signal apparaît, donc on est vraiment en temps réel et on peut adapter sa conduite, on peut ralentir jusqu'à ce qu'on voit effectivement les travaux qui sont là et qui sont signalés par des balises. Un animal est signalé sur la route, probablement par un autre conducteur, par une autre voiture qu'on voit devant. Et donc ça nous permet là aussi d'adapter notre conduite. Ce sont des événements fortuits, mais qui sont bien utiles lorsqu'ils sont signalés aux autres conducteurs. C'est de la collaboration. Toutes les informations, qu'elles soient transmises par les autres véhicules ou par les responsables des infrastructures routières, la gendarmerie, la sécurité routière par exemple, ici dans ce cas, on vous prévient d'une pollution, il faut adapter sa vitesse, vous êtes informé individuellement, immédiatement. Et qui dit anticipation, dit sécurité.